Hallelujah. Merci Seigneur. Lève ta main droite dans le trône de la grâce et répète après moi ces paroles, l'Éternel des armées. Mon âme t'exalte. Mon être entier te loue. Merci pour ta fidélité. Ce matin, je t'ouvre mon cœur pour recevoir la sémence incorruptible, la parole de vérité. Fais du bien à mon âme et à ma vie. Merci de m'éclairer par ta puissance suprême. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Laissez-moi prier maintenant pour la parole. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Merci de préparer les cœurs de toutes les personnes qui m'écoutent ici et ailleurs. Et surtout, Éternel, que la grâce que tu m'as faite, la faveur que tu m'as accordée, soit communiquée et transmise au nom suprême de Jésus. Que la révélation de la parole apporte l'illumination et permette à une personne qui croit ce matin de passer à un autre niveau, à un autre palier et de voir ta gloire éclater de façon reluisante. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On peut s'asseoir. Amen. 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 Ésaïe 60. Versets 5 à 6. Alors ce matin, nous entrons de pied plein dans la création de richesses, permettre à chaque personne qui écoutera cet enseignement d'être à même de créer de la richesse. Nous avons défini la grâce comme étant premièrement une faveur imméritée. Que quelqu'un dise faveur imméritée. Quelqu'un dise encore faveur imméritée. Donc la grâce est une faveur imméritée. On peut jouir de la grâce sans comprendre comment est-ce que la grâce fonctionne. Voyez-vous? On peut jouir de la grâce sans comprendre comment elle fonctionne. Mais il y a des déclencheurs de grâce. Des personnes qui déclenchent la grâce, qui la saisissent par la foi et qui amènent d'autres personnes à en jouir. Souvent, les personnes qui abusent des fruits de la grâce sont ceux qui n'ont pas appris à la déclencher, mais qui sont juste les personnes qui en profitent. Par exemple, dans une maison, vous avez des parents d'enfants, de quelqu'un qui est riche, qui a payé un prix énorme. Ils peuvent gaspiller la richesse parce qu'ils en jouissent, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on la crée. La deuxième définition de la grâce a été la capacité que Dieu nous donne d'être, d'exister et de fonctionner selon justement le mandat qu'il a préconçu pour nous en nous créant. Donc il y a une capacité. Et la troisième définition a été, et on va s'attarder sur celle-là, dans la création des richesses, les bonnes dispositions que Dieu a à l'égard de son peuple. C'est toutes les dispositions favorables de Dieu. Que quelqu'un dise Dieu m'est favorable. Dis-le comme si tu le penses, Dieu m'est favorable. Maintenant, dans Ésaïe 60, verset 5 à 6, il dit, tu tressailliras et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Ephra. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Agé 2, versets 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi,
L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. À qui appartient l'argent? À qui appartient l'argent? À qui appartient l'or? Eh bien, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Maintenant, de quelle maison parle-t-il quand il parle de la gloire de la dernière maison? De quelle maison l'Éternel parle? C'est la gloire de quelle maison? Quand il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, il parle de quelle maison? Mais vous ne savez pas de quoi il s'agit? De quelle maison il s'agit? Ta maison? De quoi il s'agit? Il parle de quoi? De... Et il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il parle de quoi? De quelle maison? De ta maison à toi? Il parle de quoi? Mais quelqu'un répond concrètement. Oui, vas-y, dis, il parle de quoi? De... Oui? Oh bon, il parle de... Non, il parle de quelle maison? Je vais entendre. De quelle maison? Quel est ton entendement de ce texte? De quelle maison Dieu parle? Il parle de l'œuvre qu'il va accomplir avec son peuple. Donc il parle de la gloire de la dernière maison, il parle de l'Église. La première maison, c'est justement toutes les dispensations avant la grâce. Mais quand on parle de la dernière maison ici, il parle de la gloire de l'Église, sera plus grande que celle de la première. Amen. Donc il parle justement de la restauration qu'il va accomplir à la fin des temps. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il parle de l'Église. Donc nous vivons dans une disposition favorable. Nous vivons dans la dispensation de la grâce. Donc Dieu veut que son Église soit puissante, que son Église soit riche, que son Église soit prospère. Parce qu'il a dit dans Éphésiens 2, allons-y au verset 4, Éphésiens 2, voyons ce texte d'abord pour vraiment situer tout le monde sur ce qu'on est en train de dire. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, allons-y, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Continuons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. D'accord? Par sa bonté envers nous. Que quelqu'un dise, Dieu est bon envers moi. Dis-le comme si tu le penses, Dieu est bon. Dis-le encore, Dieu est bon envers moi. Amen. Donc, Dieu veut montrer l'infinie richesse de sa grâce. Et donc, quand vous prenez Jean 10, 10, j'essaie de vous amener là où on va aller ce matin. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, la gloire de l'ancienne maison a été dérobée, a été égorgée, a été détruite. Mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la pensée de Dieu, c'est que l'abondance soit le partage de chacun d'entre nous. On est d'accord là-dessus. Donc vous savez, si vous n'avez pas renouvelé votre intelligence au sujet de la richesse, vous n'allez jamais accéder au palier de richesse que Dieu vous réserve. Donc la richesse commence par la révélation. C'est clair. Ça commence par la révélation. Il faut que chacun d'entre nous le sache profondément. Dieu n'a aucun problème à me rendre riche. Dis-le. Encore. Dis-le une dernière fois. Très bien. Dieu n'a aucun problème. Il n'a aucun problème à te rendre riche. Il n'a aucun problème à te rendre très riche. Aucun. Aucun problème. Il a même déjà annoncé. Regardez ce qu'il dit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable à sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité par la poursuite du vent. Donc Dieu donne aux païens d'amasser et à celui qui est agréable d'en jouir. Donc maintenant, est-ce que tu penses que Dieu t'est agréable? D'accord? Donc dans le plan de Dieu, Dieu veut que ses enfants, ceux qui lui appartiennent, aient accès à la richesse. Ok? C'est la pensée divine. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour y arriver?
Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est venu faire? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est venu faire? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Notez ceci. Ce n'est pas parce que je jouis de la richesse que je suis riche. Je peux jouir de la richesse tout en étant pauvre. Ce n'est pas parce que j'en jouis que je suis riche. Ou alors, ce n'est pas parce que j'en jouis que j'en crée. Non. Mais ce matin, nous parlons de création de richesses. Que chacun d'entre nous soit engagé à la création de la richesse. Pas simplement la jouissance, mais la création. Quelqu'un peut créer la richesse et t'amener à en jouir. Ça ne veut pas dire que tu en crées. Et tu peux en jouir sans avoir une mentalité de richesse. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très clair. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il faut comprendre ceci. La grâce de Dieu est indispensable pour avoir accès à la richesse. Indispensable. Dis bien, la grâce de Dieu est indispensable pour avoir accès à la richesse. Donc cette grâce, elle est disponible à la fin des temps pour permettre à certains d'entre nous qui croyons d'avoir accès à la richesse. Donc, l'onction n'accomplit pas seulement le fait de ne guérit pas simplement les malades. La première fonction de l'onction, c'est la création de la richesse. La première fonction. La première fonction. Avant de guérir les malades, il a parlé d'abord d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle que tu annonces à un pauvre, c'est qu'il sera délivré de sa pauvreté. Et je déclare sur ta vie, quelle que soit la domination, quelle que soit l'autorité, quel que soit l'esprit méchant qui influe, qui agit contre ta destinée, j'annonce au nom suprême de Jésus que tu auras accès au trésor que le ciel te réserve, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de ton amen. Homme comme femme. Votre amen m'embête. Alors, qu'est-ce qui maintient beaucoup d'entre nous dans la pauvreté? On va aller rapidement. Premièrement, ce sont les mauvaises conceptions. D'accord? On ne va pas revenir dessus. Les mauvaises conceptions qu'on a, hein, de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Les mauvaises conceptions. Les mauvais enseignements nous maintiennent dans la pauvreté. OK? Ensuite, il y a la peur. La peur, certains d'entre nous ont peur. Le manque d'action. Très peu d'entre nous agissent. Le manque d'action. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Si je veux voir ce que je n'ai jamais vu, je dois être prêt à faire ce que je n'ai jamais fait. Car des mauvaises motivations. Les mauvaises motivations. Certains d'entre vous, si vous avez de l'argent aujourd'hui, la première chose que vous ferez, c'est d'aller dans votre village construire une très grande maison. Quelle est la raison pour laquelle, vous qui êtes là ce matin, vous voulez devenir riche? Quelle est la raison? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? La motivation, c'est de montrer aux gens qu'on a aussi de l'argent. Ou alors la motivation, c'est, selon Matthieu 3, verset 33 et 34, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, assis là, on peut lever la main pour dire, Seigneur, je cherche premièrement le royaume, mais ce n'est pas vrai. Nos motivations internes et enfouies sont tout autres que celles du royaume des cieux. La preuve, au palier où tu es, je te pose une question. Quand l'argent que tu reçois, quand tu regardes ce que tu mets à l'évangile, ce que tu mets sur toi, ce que tu mets dans ta famille, ce que tu mets, qu'est-ce qui est élevé? Si ce que tu mets sur toi est au-dessus de ce que tu mets dans l'église, tes motivations ne sont pas bonnes. Puisqu'on est cherché premièrement le royaume. Maintenant, je suis très sérieux, très profond. Maintenant, je peux acheter une chemise, je peux acheter une veste
Et puis, quand je l'achète, je l'achète pour le royaume. Une autre personne achètera la même veste, mais elle l'achète pour elle-même. Parce que les motivations de celui qui achète la veste, c'est pour dire, bon, je vais être beau. Alors que quelqu'un d'autre dira, je l'achète parce que je suis un serviteur de Dieu et il faut que je sois présentable. Les motivations changent tout. Mêmes actions, deux motivations différentes. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc nous devons faire très attention. Il est important d'avoir de très bonnes motivations. Tant que notre motivation n'est pas bonne, le ciel va nous résister. Parce que Dieu n'a aucune intention de te donner sa richesse pour que cette richesse se détruise. Et c'est pourquoi on a beaucoup de personnes dans l'église qui ont de l'argent, mais qui ont obtenu de l'argent par des voies qui ne sont pas des voies de Dieu. Et elles sont détruites, vous le voyez dans le caractère, après. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc il faut faire très attention à sa motivation. En 1995, après un moment de jeûne, j'étais même encore en plein moment de jeûne, j'ai demandé à Dieu, quelle est la raison pour laquelle l'église, quand on arrive à l'église, on ne voit pas ce que la Bible dit, parce que la Bible parle de richesse, mais l'église est très très pauvre. Et Dieu m'a répondu, je n'ai jamais oublié. Il dit, mes yeux parcourent la terre et je cherche un homme. Je cherche un homme à qui je confierai mes richesses. J'ai essayé à plusieurs personnes, mais dès qu'ils ont eu l'argent, ils se sont détournés de moi. Ça veut dire que certains d'entre nous, ils sont ici, si Dieu nous confie ses richesses, il n'est plus sûr que notre intégrité sera la même. Et Dieu le sait. Il le sait. Et souvent, on se dit, oh Seigneur, si tu m'avais donné plus, non, Dieu le sait. En fait, ta fidélité dans le peu est ton révélateur du cœur que tu as maintenant. Quelqu'un qui dit, oh Seigneur, c'est parce que j'ai 100 000. Si j'avais 2 millions, je te donnerais la dîme. Mec, augmente mes revenus, je vais te donner. S'il y a 100 000, tu n'as pas pu donner 10 000. Tu n'atteindras jamais 2 millions, jamais. Parce que Dieu sait que ton infidélité dans le peu est le révélateur de la qualité de ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Alors, est-ce que tout le monde peut être concerné par la création de richesses? Oui, bien sûr. Toute l'église, tout le monde devrait être concerné par la création de richesses, à mon avis. Simplement parce que quand vous regardez le premier homme que Dieu a créé, Adam, Dieu l'a béni, Dieu lui a dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis et domine. Donc le fait d'être fécond, c'est de relâcher toute la grâce, relâcher tout ce qui était en lui, d'engendrer ce qui avait été déposé en lui et multiplier, remplir, assujetti et dominer. Donc ça veut dire que quand Dieu veut nous rendre riches, la richesse de Dieu commence à l'intérieur de nous. Il place des choses en nous et il nous donne la responsabilité de les extérioriser. Donc, la vraie richesse commence à l'intérieur. Les trésors de Dieu sont enfouis en toi. Et elles apparaissent souvent sous la forme des dons que Dieu a mis dans ta vie. Ok? Matthieu 25, versets 24 à 30. Commence Matthieu, verset 15 à 20. Déjà Matthieu 25, verset 15 à 20. Un maître donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Et au troisième, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Qu'est-ce que celui qui avait reçu 5 a fait? Il a fait quoi? Il a fait valoir. Très bien. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui avait reçu 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Alors, quelle a été l'attitude de celui qui avait 5 talents? Il a fait valoir. Celui qui avait 2. Et quand il est revenu, combien de talents il a ramené? Il a ramené 5 autres. Il y avait 5 talents, il a ramené 5. Celui qui avait 2 a ramené combien? 2 autres. Celui qui avait 1?
Très bien. Maintenant, quand il a distribué les talents, il a distribué en fonction de quoi? En fonction de la capacité de chacun. Donc, il ne s'était pas trompé. Il n'a pas voulu détruire celui à qui il a donné un talent en lui donnant deux. Parce qu'en donnant deux talents, il aurait détruit sa vie. Mais il lui a donné un talent parce que c'est ce qu'il pouvait gérer. Mais il savait que les un talent avait le potentiel d'amener cette personne à 10 autres talents plus tard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cependant, celui qui avait 5 est parti faire valoir les talents qu'il avait. Il a ramené combien? 5 autres. Vous ne pouvez pas avoir accès à la richesse tant que vous ne décidez pas d'avoir une productivité maximale. Je ne peux pas me contenter, par exemple, d'être une chante et je chante simplement sans faire autre chose. Parce qu'il est possible. Écoute, Dieu a une diversité de talents qu'il a investi en nous. Donc si je m'arrête simplement à chanter, c'est un talent que je mets en action. Mais qu'en est-il du deuxième talent? Qu'en est-il du troisième talent? Qu'en est-il du quatrième talent? Qu'en est-il du cinquième talent? La productivité maximale devra amener chacun d'entre nous à extérioriser toute la grâce que Dieu a enfuie en toi. Dis à ton voisin, il y a un trésor en toi. Dis-le comme si tu le penses, il y a un trésor en toi. C'est très important. C'est très, très important. Il y a un trésor en toi. Généralement, les gens qui se plaignent de la vie sont ceux qui ne font rien par rapport à la vie. Il y a un trésor. Il y a un trésor en toi. Donc la productivité maximale devra amener chacun d'entre nous à extérioriser les talents et la grâce que Dieu a mis en nous. C'est en le faisant que nous avons accès à la richesse. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Si je veux voir ce que je n'ai jamais vu, je dois faire ce que je n'ai jamais fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une onction qui te rend capable de créer de la richesse. Et ce matin, je vais t'impacter cette onction. Ton amen m'embête. L'onction est transmissible. On peut la communiquer, on peut la donner. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais cependant, il faut bien que tu sois disposé. D'accord? Très bien. Et vous voyez, ce qui maintient beaucoup d'entre nous dans la pauvreté, c'est ce qui suit. Matthieu 25, verset 24 à 30. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas vanné. Et ça, c'est vraiment l'excuse des personnes paresseuses. Toujours en train de critiquer. Toujours en train de dire, non, si on m'avait donné plus. Mais très bien. Pourquoi? Vous voyez? Alors qu'en fait, ce qu'on a donné était fonction de sa capacité. Je savais que tu es un homme dur. Vous allez vous voir que les personnes qui critiquent le plus sévèrement sont les personnes qui n'apportent rien. Je savais que tu es un homme dur. Tu amasses là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voyez, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Et il pensait, il s'est dit, bon, dans tous les cas, moi, je vais reprendre ton talent. Alors, regardez ce que le maître a dit. Son maître lui répondit, serviteur, méchant. Premièrement, méchant. Premièrement, méchant. Dis à ton voisin, attention à la méchanceté. Serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Continue. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça veut dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est intéressé. Quand il te donne quelque chose, il ne veut pas reprendre ce qu'il t'a donné. Il veut reprendre cela multiplié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que la grâce de la multiplication te soit accordée. Que Dieu t'accorde de multiplier les ressources qu'il y a entre tes mains, afin que les intérêts soient produits au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ça veut dire que si Jésus revient ici aujourd'hui, il accuserait certains d'entre vous qui laissaient l'argent sur les comptes courants. Parce qu'il dit, il faut remettre au banquier, pas au compte courant, mais dans le compte d'épargne pour qu'il y ait un intérêt. Que l'argent produise. Et il dit, si tu ne savais pas quoi faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui laissent leur argent en banque sont celles qui n'ont pas d'idée. Et que la banque est le dernier endroit où devait se trouver l'argent du croyant.
C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En fait, l'argent qui reste à la banque doit attendre des opportunités. Vous ne pouvez pas laisser votre argent en banque et dire que vous êtes riche. Non. Celui qui amasse à l'excès le fait pour sa perte. Donc la banque n'est pas l'endroit où l'argent doit rester. C'est un endroit où l'argent attend et doit repartir pour des activités. Ce matin, je veux parler et je suis certain. Je sens cette tension sur ma vie quand je me suis levé le matin. Dieu va vous communiquer des idées innovantes, des idées... Non, ça dit sérieusement, à un autre palier pour certains d'entre vous. Hommes comme femmes. Donne-moi un meilleur amen. Donne encore un meilleur amen. Bien-aimé, la richesse pour une femme, ce n'est pas de rencontrer un homme riche. Parce que tu peux rencontrer un homme riche et rester pauvre. Que quelqu'un mette la main sur sa tête et dit « Je suis riche ». Quelqu'un dit « Je suis riche ». Il y a une femme dans cette salle, ton mari va danser quand il va te rencontrer. Est-ce que vous savez que c'est la pauvreté qui nous amène en Afrique à penser que, dans tous les cas, « Oh, vraiment, ma fille, elle est belle, elle va épouser un homme riche. » Pourquoi? C'est ça, c'est la mentalité du pauvre. C'est la pauvreté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous, les filles d'Abraham, vous ne devez pas penser comme ça. Vous devez penser comme Proverbe 31. Une femme qui fait la fierté de son mari, qui produit, qui fait de la laine, qui quand son mari sort, on le respecte à cause de sa femme. Donnez-moi des meilleurs amens. Donc, en chacun d'entre nous, il y a sûrement une entreprise qui sommeille. Il y a une entreprise qui sommeille. Parce qu'il dit, vous êtes mon ouvrage que j'ai préparé à l'avance pour les bonnes œuvres que j'ai préparées. Okay, vous êtes mon ouvrage qui est créé en Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Que vous les pratiquiez. Donc, il y a des ouvrages qui sont préparés à l'avance pour que vous les pratiquiez. Et chacun d'entre nous doit être résolu d'engendrer les entreprises qui sont à l'intérieur. Et une entreprise peut commencer par vendre juste de l'eau. Une entreprise peut commencer à distribuer de la tchéquée. Une entreprise peut commencer par la négoce. Mais il y a quand même quelque chose que Dieu a placé en toi pour pouvoir apporter un service à la société. Le royaume des cieux n'est pas manger et boire. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Tu dois être à même d'extérioriser ce que Dieu a dit là à ton voisin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc l'onction de Dieu va aider chacun d'entre nous à déployer la grâce que Dieu a mise en nous. Alléluia. Mais bien aimé, je vais vous dire ceci. Pendant là, j'ai eu des rencontres surnaturelles avec Dieu concernant la richesse. C'est ce que je vais enseigner au Canada bientôt. Mais l'une des deuxièmes rencontres, la première c'est celle que je vous ai dit, la deuxième c'était en Sierra Leone. J'étais m'apprêté à aller à table. Je n'ai jamais oublié ce jour. Et le Seigneur m'a dit, je veux te parler. Et moi j'ai répondu, je veux manger. Mais vous savez, je veux manger. J'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, je voulais manger, j'avais faim. Et puis le Seigneur m'a dit, si tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses pour moi, il y a des choses de moi que tu n'auras pas. Donc j'ai déposé la cuillère, je suis entré dans la chambre et il m'a demandé note ceci et il n'enseigne que quand je t'aurai donné le feu vert. C'était en 1997, il m'a dit, la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme. La première raison pour laquelle beaucoup d'entre vous sont pauvres, c'est parce qu'on vous enseigne sur la dîme. Je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, quand on enseigne sur la dîme, on dit aux gens, si vous donnez 10%, vous serez bénis. Ce n'est pas vrai. Abraham a donné 10%, il n'a jamais eu. Jamais eu Isaac. Ce n'est pas 10% qu'a donné Isaac. Jamais. 10% était insuffisant pour qu'Isaac vienne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais quand il a donné 10%, Dieu lui a dit, mets devant ma face et sois intègre. C'est ce qu'il lui a dit. Je serai avec toi, t'inquiète pas. Moi, je vais avoir façon intègre. Mais 10% n'a pas apporté, n'a jamais apporté Isaac. Et il n'a pas donné 10% parce qu'il avait peur de Dieu. Non, il a donné 10% parce qu'il aimait Dieu. Et aujourd'hui, les gens donnent 10% parce qu'ils ont peur. Oh, si je n'ai pas donné, je vais me frapper. Non, Dieu ne te frappera pas. Il ne va pas te frapper parce que tu as gardé les 10%. Non. Mais tu vas te priver de la présence de Dieu à tes côtés.
Et donc, si Dieu n'est plus avec toi, alors le diable viendra. Ce n'est pas Dieu qui te frappe, c'est toi qui te fermes la porte du ciel. Parce que tu n'obéis pas en principe. D'accord? Et ensuite, si tu donnes 10% à Dieu, tu ne peux jamais devenir riche avec 10%. Sauf si tu voles. Impossible dans la Bible, impossible. Les personnes qui s'arrêtent à 10% n'obtiennent jamais le meilleur de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de subsistance et la bénédiction d'abondance. Dieu peut te visiter, mais il ne te laisse pas la richesse. Et certains d'entre nous sont visités et tombent, boum, ils se lèvent, ils ne sont pas riches. Le vent souffle dans leur chambre, ils ne sont pas riches. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rendre visite, il parle avec toi, il part, mais il n'a pas la capacité de te laisser l'argent. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est ce que tu donnes à Dieu qui détermine s'il peut laisser une grande chose ou une petite. Rappelez-vous le prophète quand il est allé chez la veuve. Elle a dit quoi? Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle avait quoi? Elle avait quoi? Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut jamais prendre le peu que tu as pour te donner beaucoup? Parce qu'il te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc la femme, quand la lune était encore abondante, elle n'a pas donné à Dieu. Mais Dieu n'a rien dit. Donc quand le prophète est entré dans la maison, il restait un peu. Qu'est-ce que le prophète a fait? Elle a nourri avec le peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile et la farine ont continué à couler quotidiennement. Ce n'était pas une visitation d'abondance, c'était une visitation de subsistance. Donc c'était une onction qui est descendue dans la maison pour qu'elle subsiste, pas pour qu'elle devienne riche. La Bible parle de la femme qui avait une seule pièce, la veuve. Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Qui se souvient du texte? Allez, Jésus a parlé d'elle. D'abord, on n'a pas donné son nom. Déjà, important, son nommé dans la Bible. On a dit souvent la femme. Il y a pas, son nom même n'est pas cité. Parce que ce qu'elle donnait, c'était la seule pièce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est vrai, mais c'était le peu qu'elle avait. Donnez-moi après ce texte où on parle encore d'elle. Elle est devenue riche. Pourquoi? Parce que la pièce n'était pas suffisante. Elle ne pouvait pas avoir accès à la richesse. Jamais. Le peu qui était. Vous voyez les gens? Oh, alléluia, l'onction était là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, le Seigneur. Mon dernier billet, 5 euros, 10 euros, 50 euros. Alléluia, 5 000. Oh, alléluia. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais c'était combien? C'était 10 000. C'était 15 000, c'était 20 000. Et puis tu penses que Dieu va te rendre riche avec ça? Non. Il va te permettre de ne pas manquer d'argent de taxi. Mais pas la richesse. Parce qu'il ne va jamais violer ses lois. Ou alors il va te permettre d'avoir de l'argent qui vient. Mais tu ne peux pas se pallier à entrer dans les trésors de Dieu avec Dieu. Impossible. De toute la Bible, Genèse à Apocalypse, personne n'est devenu riche avec 10%. Personne. C'est quand Abraham, enfin, reprend le fils qu'il a obtenu après avoir donné un animal aux trois hommes qui rendent visite. Que Dieu le met à l'épreuve maintenant pour dire, je verrai si tu peux passer le palier de la subsistance à l'abondance. C'est là maintenant, je veux voir si tu peux y aller. Il le met à l'épreuve, ça veut dire, c'est un examen. Pour dire, si tu passes, tu y arrives. Si tu échoues, tu recommences. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est quand il apporte le fils sur la montagne que Dieu s'arrête. Il dit, maintenant je te le jure par moi-même. Dieu n'avait aucune capacité de gérer tant qu'Abraham n'était pas arrivé à cette dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, bien-aimé. Vous devez comprendre ces principes fondamentaux. C'est vrai, et encore clairement, parce que là je déblaye le passage avant de commencer à parler de choses très profondes. Je vais vous dire clairement, dans le royaume des cieux, la seule arme que Dieu a mis à disposition entre tes mains pour te permettre d'ouvrir le ciel et d'attirer les richesses s'appelle la sémence. C'est la seule arme. Il n'y a rien d'autre de Genèse à Apocalypse. La deuxième rencontre que j'ai eue, la troisième, dans la richesse avec Dieu, c'était à l'aéroport d'Atlanta. J'étais assis à l'aéroport en transit. Et il y avait plein de gens qui passaient. Et puis on va souffler. Comme si on a dirigé un vent vers moi. Je me suis retourné et puis j'ai entendu une voix qui a commencé à me parler. Note ceci, et Dieu a commencé à me montrer comment est-ce qu'il a rendu riche tous les hommes dans toutes les dispensations, depuis l'innocence jusqu'à la promesse et jusqu'à la grâce. Il m'a montré homme après homme après homme après homme. Il m'a dit voici ce qu'ils avaient en commun. Vous savez, pourquoi est-ce que vous pensez que la question de l'offrande est tant attaquée à l'église?
Parce que le diable sait que c'est ça l'arme vitale. Je vous garantis. Le diable sait. Oh, il s'attaque à l'offrande parce qu'il sait. Il n'y a rien d'aussi puissant que Dieu a mis sous le ciel comme l'offrande. Il n'y a rien de si puissant. C'est la raison pour laquelle les grandes batailles sont livrées quand il te faut donner l'offrande. Sérieusement, la seule chose qui ouvre le ciel sans contredit s'appelle la semence. La seule chose. Et c'est ce qu'il a donné à l'homme quand l'homme n'avait pas péché. Je te donne le fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera ta nourriture. Ça veut dire que même Adam serait mort s'il ne s'aimait pas. La semence est la seule chose qui te garantit de rester sur terre et de jouir de ce que le ciel t'a réservé. Tu ne peux pas en jouir tant que tu ne sèmes pas. Impossible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est impossible. Les trésors du ciel sont... Le ciel s'ouvre avec nos semences. Et c'est pourquoi le meilleur indicateur de ta foi dans le domaine des finances, ce sont tes semences. Regardez, vous savez le texte de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous connaissez le texte? N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Pasteur Beugré, prends le micro. Il va vous montrer quelque chose. On va aller dans les choses profondes. Dis, Seigneur, j'aime la profondeur. Ça va faire mal à certains d'entre vous, mais il faut quand même que vous découvriez la vérité. Tu vas choisir de rester là où tu es ou d'avancer en autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Certains d'entre vous auront la visite du corbeau. Je suis sérieux. Je suis sérieux. J'ai dit certains d'entre vous auront la visite du corbeau. Quand je parle du corbeau, je parle même les gens impurs. Les gens qui adorent le diable viendront te faire des offrandes. Quand la faveur, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose moi favorablement à son égard tous ses ennemis. Les portes s'ouvriront. Les païens te donneront des contrats. Tu verras des opportunités, même avec les personnes qui n'adorent pas Dieu. À cause de la faveur de l'Éternel qui t'accompagne sur le chemin de ta destinée, au nom suprême de Jésus. Tu jouiras de ce que le ciel te réserve. Je déclare que ça, c'est ta portion, au nom suprême de Jésus. Les jours qui arrivent t'amèneront dans ta maison les trésors du Liban, les trésors des nations, les richesses de la mer se tourneront vers toi, au nom suprême de Jésus, selon l'ordre de l'Éternel en ta faveur. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, ce matin, je vais vous le dire, j'ai reçu cette huile qui récoule sur moi. Il y a des moments où je sais que l'onction de richesse est en train d'agir. Ce matin, je le ressens à cet endroit. Je te garantis, tu n'oublieras jamais cette réunion. Tu verras de tes propres yeux. Regarde le verset 25. Lis-le à haute voix, verset 25. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 25. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Oui. Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Oui. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Oui. Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Stop. Très bien. Regardez ça. Il dit, c'est incroyable. Il nous compare aux oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Et il dit, ils n'amassent rien dans les greniers. Parlant des oiseaux. Mais maintenant, revenons plus haut. Au verset 21. Non, prends-moi à partir du verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Très bien, vous voyez qu'il a dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous savez que ce texte, ne vous inquiétez pas, n'est pas valable pour tout le monde? Il y a des croyants qui doivent s'inquiéter. Non, sérieusement, il y a des croyants dont le lendemain doit te faire peur. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris. Il y a un texte avant. Quand on prend Matthieu 6, verset 33, et qu'on n'a pas lu le texte d'avant, on lit ça hors de son contexte. Voilà le vrai contexte. Lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point.
et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Mm-hmm. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Très bien. Vous voyez qu'il y a eu d'abord une histoire avant. Il parlait d'amasser les trésors dans le ciel. D'accord? Il parlait de ça. Et c'est après, en conclusion, qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça veut dire que celui qui a pris le temps d'amasser les trésors dans le ciel ne peut pas s'inquiéter du lendemain. Celui qui apporte sa semence à l'église ne peut pas être inquiet du lendemain parce qu'il a amassé ses trésors dans le ciel. Mais ça, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est pourquoi il y a certains d'entre vous, vous luttez pour payer votre loyer. Et d'autres personnes, les maisons leur sont offertes. La différence, c'est quoi? C'est que l'autre a investi dans le ciel et l'autre n'a investi sur la terre. Voilà la différence. Voilà la différence. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça, justement, que certains ne vivent pas la faveur. Certains ne vivent pas la faveur. Et on est là dans l'intelligence, tu peux t'asseoir, avec le micro, et dans l'intelligence humaine. En train de voir, de réfléchir, de calculer. Non, la seule garantie que tu as que ton lendemain sera meilleur s'appelle ta sémence. Quand tu apportes ta sémence, je te garantis, il n'y a pas meilleur moyen de tenir Dieu. Il y a les gens qui tiennent Dieu et qui obligent Dieu à agir en leur faveur. Ça s'appelle ta sémence. Et même la sémence est ce qui va ouvrir le ciel sur toi et te permettre d'avoir des idées de création de richesses. Tu peux t'enfermer 15 ans. Dieu ne te donne aucune idée. Et quelqu'un d'autre ne s'enferme pas, il te bat, il marche juste, paf, une idée arrive. La différence, c'est où est-ce qu'il a placé ses trésors. Où est-ce que tu as mis tes trésors? D'accord? Où est-ce que... Vous savez, c'est très important. Où est-ce que tu as mis... Et vous voyez, on est dans l'église, des gens, oh oui, vraiment, etc. Les 16 églises, les affaires de front, 16 églises. Pourquoi quand on parle de nos églises, même quand on fait les reportages télé, pourquoi les gens s'attardent sur le front? Vous n'avez pas vu que tout le temps on parle que le front? Parce que le diable sait que c'est l'âme vitale. Sérieusement. Il sait. C'est vrai qu'on a des personnes qui sont des truands, en vif. Mais bon, n'empêche que Dieu a créé son église comme il a voulu. Il a établi les principes du royaume comme il a voulu. Et il les veut comme il a créé. Ce n'est pas parce que les gens vont discourir que vous ne devez pas faire ce qui doit être fait. Quand l'impie viendra, il fera cesser l'offrande. C'est ce que la Bible dit. Il fera cesser l'offrande. Donc si l'offrande s'arrête, l'adoration est terminée. Donc, elle ne peut pas s'arrêter, elle ne doit pas s'arrêter. Je me rappelle notre sœur. Dieu lui a parlé. Pose celle-là. Bon, elle avait déjà donné abondamment. Mais Dieu a parlé en disant, il faut ça. Pendant qu'elle était en train d'hésiter, elle a investi quelque part ailleurs. Et puis, là, l'argent est parti. Pas 1 million, pas 2, c'était 30 millions. Parti. Et puis, dès qu'elle a obéi à Dieu, on l'a appelé pour remettre son argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le ciel qui la combattait. Dieu peut te résister. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous ne pouvez pas imaginer la puissance qu'il y a derrière l'offrande. La seule manière de jouir de la faveur financière, c'est de gérer l'offrande avec la plus grande foi. Vous allez voir une faveur indescriptible. À certains d'entre vous, cette génération ne passera pas quand on verra vos immeubles sortis de terre. Qu'on amène m'embête. On verra vos immeubles sortis de terre. Vos entreprises, vos voitures, vos maisons. Aujourd'hui, tu es en train de prier Dieu pour avoir une voiture. Demain, tu prieras pour demander à Dieu. À Dieu, mais à qui je dois offrir les voitures? Tu vas changer de cap. C'était de garantie. Ça sera ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ça va arriver, bien-aimé. Ça va arriver. Mais très, très sérieusement, tes offrandes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La raison pour laquelle cet argent viendra entre tes mains, c'est que Dieu veut compter sur toi et avec toi pour l'avancement de son royaume. Il n'a aucune intention de faire simplement de toi un homme riche pour toi. Il veut te rendre riche pour lui, pour sa gloire, pour son œuvre. C'est ça la raison. Donc ça veut dire que ça nécessitera que tu fasses une alliance dans l'alliance personnelle, graduelle. Il ne faut pas oublier que le sacrifice d'hier qui t'a amené à ce palier est insuffisant pour t'amener ici. Et c'est là où beaucoup de personnes stagnent. Je n'ai pas prévu parler de ça maintenant, mais je sens l'onction de Dieu me conduire dans cette direction. Vous savez, c'est là où beaucoup de personnes stagnent. Ah non, non, j'ai donné il y a 3 mois. Oui, mais c'était à ce palier. Maintenant, pour aller à ce palier, Dieu demande quelque chose d'autre. Pour aller à ce palier, il demande quelque chose d'autre. Regardez la vie d'Abraham. Étudiez la vie d'Abraham. Il a commencé avec 10%.
Après, il a reçu, il a donné aux trois hommes. Et après, c'était son propre fils. Palier par palier. Plus Dieu veut te faire monter, plus il demande. Plus il veut te faire monter, plus il demande. Plus il veut te faire monter, plus il demande. Parce qu'on te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Amen. L'une des choses les plus terribles qui est arrivée à ma vie, c'est que mon père m'avait amené à l'église et il me faisait donner 5 francs, 10 francs dans la quête. Et ça a failli détruire ma destinée. Il a fallu que Dieu se révèle à moi. J'ai été pasteur pendant 2 ans. Ma plus grande offrande était 50 francs, 100 francs. Pasteur. Dans l'enveloppe et puis je mets 50 francs et je suis content. Et vous avez l'impression que la Bible s'adresse aux autres. Jusqu'à ce que Dieu me dise un jour, la parole de Dieu est écrite pour mes fils, pas pour l'église. Si en tant que pasteur, tu ne mets pas ma parole en pratique, tu ne verras jamais ma faveur. On n'est pas riche par l'offrande qu'on reçoit, on est riche par celle qu'on donne. Ça m'a affranchi. Ça m'a délivré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça m'a affranchi. Oh, que quelqu'un dise, Seigneur, affranchis-moi totalement. Affranchis-moi radicalement. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donc le problème, c'est qu'il faut bien comprendre ces choses et surtout comprendre que nous avons une alliance. On a une alliance. Quelqu'un dit, j'ai une alliance. Quelqu'un dit encore, j'ai une alliance. Alors regardez dans Genèse 22, versets 16 à 18. Jacques, tu vas lire. Genèse 22, versets 16 à 18. Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Ok, vas-y d'abord verset 1, 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Très stop, après ces choses, c'est-à-dire après toute l'histoire d'Abraham, les dîmes qu'il a données, les gens qu'il a reçus, on dit après ces choses, il le met encore à l'épreuve. Ces choses-là, c'est pour dire malgré tout ce qu'il avait déjà fait, Dieu le met encore à l'épreuve. Continue. Et lui dit. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Très bien, vous voyez, ça, c'est aussi clair. Il dit offre-le sur une montagne que je dirai. Maintenant, vas-y au verset 16. Verset 16 est dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Très bien, vous voyez que là il y a une promesse, quelqu'un dit promesse. Quelqu'un dit promesse. Mais la promesse est faite à Abraham concernant sa postérité. Donc toute personne née de nouveau, Galates 3 verset 7, est devenue par la foi le fils d'Abraham. Donc nous avons un héritage. L'héritage c'est cette promesse. Dieu a juré. Donc, et Dieu m'a dit lors de la quatrième visitation, je n'ai pas menti à vos pères. Et ça m'a révolté. Je n'ai pas menti à vos pères. Donc ça veut dire que ce que Dieu a dit à Abraham, il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc nous vivons sous une alliance. Quelqu'un disait une alliance. Maintenant l'alliance est un contrat, c'est un pacte avec engagement réciproque. Et Dieu a pris l'engagement ferme de te rendre riche. Ton amen m'embête. J'ai dit Dieu a pris l'engagement ferme de te rendre riche. Je maudis l'influence de la pauvreté sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce qu'il y a eu dans ta famille comme impact générationnel de pauvreté, cela est brisé et ôté au nom de Jésus. Que le voile de la grâce de la richesse te soit communiqué maintenant, descende sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois impacté par la grâce de la richesse. 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 Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Que cela influence ta vie. Amen. Mais il y a eu là une alliance que Dieu a faite avec Abraham, notre père. Il y a une promesse ferme en disant qu'il nous bénira. C'est une promesse qui était radicale et ferme nous concernant pour la richesse. Donc nous avons un droit légal à la richesse. Dis, j'ai un droit légal. Quelqu'un dise encore, j'ai un droit légal. C'est un droit légal, bien-aimé. Un droit légal à la richesse.
Et je déclare, toute personne qui est ici dans cette assemblée, toute personne qui est connectée à cet hôtel, cette grâce qui est sur ma vie, tamponne ta destinée, influence la tienne au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Mais ne perds jamais le but pour lequel la richesse arrive. Ne perds jamais le but. Jamais. Voyez-vous, ne calculez pas trop quand il s'agit des choses du royaume des cieux. Ne soyez pas là à calculer. La preuve, écoutez très bien. Dieu peut décider de dire, bon, demain tu vas aller, c'est pas ton partage, tu vas vieillir. De dire, demain tu vas aller au ciel. Il te prend et t'amène. Tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Aucun pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Aucun pouvoir. Et l'argent qui t'appartient n'est pas ce que tu as gardé dans le compte. Un jour, j'étais en France. Et j'ai payé un billet d'avion. Aller-retour. J'ai un de mes voisins qui avait une agence de voyage. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on a annulé mon billet. Je l'appelle, il décroche. Après, j'appelle. Il me dit, bon, on va voir ça lundi. Après, il ferme son portable. Donc, j'étais face. Et le lendemain, il y avait culte. Et on ne dimanche pas comme les autres. Alors, je vais maintenant demander le billet. Le billet coûte 1 800 000 par là pour revenir. J'ai dit, bon, dans ce cas, je pense qu'il faut attendre lundi pour qu'il me renvoie le billet. C'est plus sage. Et donc, et maintenant, le Saint-Esprit me pose la question. Entre prêcher et l'argent, qu'est-ce qui est plus important pour toi? J'ai dit, prêcher. Il dit, paye ce billet et va prêcher demain. Il dit, père, c'est cher. Il dit, paye le billet. Il dit, n'oublie jamais ceci. C'est l'argent que tu as dépensé qui t'appartient. Ce que tu as mis dans le compte n'est pas à toi. Ça a changé ma perception. Vous voyez, nous, on pense de richesse, quand on parle de richesse. Voici comment est-ce que le pauvre pense. Quand il parle de richesse, c'est ce qu'il a gardé. Mais quand Dieu parle de richesse, c'est ce que tu as donné. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, ce qui reste dans le compte, écoute très bien, si tu es marié et que tu laisses, la femme prend. Et quand elle prend, peut-être ça va être le chauffeur qu'elle dépense. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah non, je suis sérieux, peut-être c'est même ton meilleur ami qui vient récupérer le blé. Est-ce que quelqu'un est dans... Tu es déjà parti. Donc tu n'es plus là. On va te pleurer quelque temps, mais l'argent parle pour dire on fait comment? Il faut dépenser le blé. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand tu arrives au ciel, Dieu te récupère, il te gifle. Il dit, toi tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Est-ce que vous comprenez? On a eu envie de construire le temple, tu avais tout ce derrière dans le compte, qu'est-ce que tu en as fait? Donc tu es jugé sévèrement d'avoir amassé. Parce que quand Dieu t'a donné, il te l'a donné pour un but divin. Maintenant, tu as pris et tu n'as pas atteint le but. C'est pour ça que Ananias et Saphira sont morts. Frappés de mort pour dire, mais attends. À un moment où l'église est en train de se répandre, comme ça, vous vendez la maison et vous gardez une partie et vous ne déclarez même pas. Non, non, non. Partez, revenez. Revenez rapidement, revenez au ciel. Que quelqu'un d'autre prenne cet argent, on a besoin de ça pour avancer l'évangile. Et les héritiers, certainement, quand ils ont récupéré, sachant que c'était la cause de la mort, ils sont venus faire l'offrande. Parce que l'évangile a besoin de ressources. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Imaginez que vous êtes héritier, on vous dit, vous héritez, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas donné. Qu'est-ce que vous faites de la suite? Vous courez voir les pour dire, priez pour nous, que la malédiction ne nous frappe pas. Reprenez. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments où l'évangile a urgemment de besoin. Et le ciel fait transiter en tes mains. Et tu gardes pour dire, je suis riche. Merci. Tu gardes pour dire, je suis riche. Tu me dis, non. La richesse, c'est pas ce que tu as gardé, c'est ce que tu as dépensé. Donc, il y a des gens parmi vous, les chaussures que vous portez des chaussures 6 000. Vous avez 6 millions dans le compte. Vous êtes pauvre. Sérieusement, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Parce que non simplement, ils vous donnent l'argent pour que quand on vous regarde, on dise, ah, quel bel enfant de Dieu. Et toi, tu es là, tout ce que tu peux porter, c'est pacotille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, non, je suis sérieux. Est-ce que vous voyez, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et la première maison avait de l'or dans les pylônes, avait de l'or dans le lieu saint. Il y avait des tout était en or. Il dit prenait de l'or et mettait. Donc si la première maison était en or, qu'en est-il de la dernière maison? Comment est-ce que la dernière maison sera? Et donc les personnes ne comprennent pas que même leur manière d'apparaître est un témoignage de l'évangile. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas que tu as gardé dans le compte. Comment tu manges? Tu ne peux pas manger poisson fumé. Hein? Manger des pains. Banane braisée. Comment on appelle la peau de bœuf? Tu manges plo. Ça dit. Non, c'est pas sérieux. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Toutes les semaines. Alors que tu as le blé. Est-ce que quelqu'un comprend le gars? Alors que tu as le blé,
C'est pas normal. Vous voyez? C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas normal. Mais tu manges ça tous les jours, il n'y a pas de vitamines dedans. C'est intéressant. Hein? Moi-même, j'aime bien manger avec la loco, si tu sais, très bon. Mais pas tous les jours. Et puis tu fanes, tu n'as pas de bonne mine. La langue t'est donnée pour jouir. Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Que tu manges bien. Ça fait partie de la richesse, bien manger. Vous voyez les gens, c'est une mentalité de pauvreté. Parce qu'ils veulent épargner. Sinon, si j'ai fait ça, comment est-ce que demain sera? C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mangez bien, s'aimez bien, habillez-vous bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Faites ce qu'il y a. Ne vous inquiétez pas. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça la richesse. À chaque jour suffit sa peine. Et vous savez, dans la Bible, on dit, on donne à celui qui a. Et à celui qui n'a pas en autre. Et je me suis rendu compte que ce texte est très vrai. Voyez, il y a des, on peut aller dans le même endroit, dans la même église. Je suis accompagné d'un autre pasteur qui porte la même onction. On arrive. Au moment de faire les offrandes, on ne nous donne pas la même chose. Parce qu'avant de te donner, on te regarde. Avant de te demander que tu portes, on dit, bon, celui-là, on lui donne 1000 euros, il peut rétrograder. Donne-lui 500 euros. Mais à d'autres, on dit, non, non, hé, hey, ça va, faut qu'il est venu, attention, vous ne pouvez pas donner 1000 euros. On te donne 20 000 euros, bien 30 000, et on dit, s'il te plaît, c'est tout ce qu'on a pu trouver. Pourquoi est-ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on a pu trouver? C'est parce que quand on te regarde, on dit, ça, il mérite plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit que tu mérites plus? C'est ton allure, ta manière de te présenter, ton odeur, ta coiffure, ta chaussure, comment tu es? Est-ce que dit, quelqu'un dit royauté? Quelqu'un dit royauté? Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Ce n'est ça que je veux pas, c'est ça la vraie richesse. Ah, c'est un sourire un tout petit peu. Sois dégagé, c'est ça la vraie richesse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, je ne suis pas en train de dire de ne pas faire des réserves pour vos enfants, de ne pas laisser d'héritage, c'est vrai. Une maison construite, deux maisons construites pour les enfants, ce n'est pas mauvais. Une épargne pour eux, ce n'est pas mauvais, mais n'épargnez pas à l'excès. Celui qui épargne à l'excès s'approvit. Et ensuite, n'oubliez pas que malgré toute l'épargne d'Abraham pour Isaac, Isaac est allé dans la galère. Vous ne pouvez pas prévoir que vous mettez votre enfant au large. N'oubliez jamais. Quelle que soit votre richesse. J'ai étudié la Bible et j'ai redécouvert qu'Isaac a dû lui-même encore chercher l'argent. Alors qu'Abraham était riche. Où est passé l'héritage? Abraham n'était-il pas riche? Qui est devenu l'héritier d'Abraham? Est-ce que Isaac lui-même ne s'est pas retrouvé dans la sécheresse? Est-ce que Isaac lui-même n'a pas dû fuir pour manque d'argent? Mais où est passé l'argent d'Abraham? Est-ce que vous savez que vous pouvez tout laisser à votre fils? Le ciel dit non, on met ça de côté parce qu'on a une histoire à traiter. Vous n'allez pas empêcher à votre fils d'avoir son aventure. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez, oui, c'est important. Donc la meilleure semence que vous laissez pour vos enfants, c'est le fait d'avoir placé les trésors au ciel en disant, j'ai donné ça au nom de ma famille. Quand vous partez, le ciel est obligé dans le temps de disette d'aller rendre visite à votre fils appelé Isaac en disant, à cause d'Abraham, Isaac, tu ne peux pas rester là. Abraham a trop donné pour que tu sois comme ça. On est obligé de t'assister. Ce droit légal d'assistance est arrivé à cause des semences d'Abraham. Donc quand vous plantez des semences sur l'autel, pensez à vos enfants. C'est pas ce que vous laissez dans le compte bancaire qui sécurise la vie de vos enfants. C'est ce que vous posez sur l'autel de Dieu qui sécurise la destinée des enfants. C'est ça la vie avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Et ce sont les principes que ma maison applique, ma femme et moi. Je suis heureux. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui vit avec vous, vous êtes heureux de donner. C'est fabuleux. Je dis, il n'y a rien de tel de donner pour l'œuvre de Dieu. C'est fabuleux. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait. C'est fabuleux. Il n'y a pas de facture d'hôpital, il n'y a pas de facture ici, il n'y a pas... Non. Il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Vous êtes protégé, vous êtes assisté, vous êtes conduit, vous êtes favorisé. Est-ce que quelqu'un comprend le code? Il y a une faveur quand il vous accompagne. Même quand les gens vous voient sans savoir qui vous êtes. Vous voyez comment est-ce que les gens se mettent autour en commençant à vous dire, monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Vous sentez que quelque chose vous accompagne. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de ça que je parle. Je parle de l'assistance surnaturelle.
Un pasteur que je connais, est allé quelque part, il avait un problème. Et un homme est venu, il a pris sa main, il dit, viens. Il le conduit, il le met dans une voiture, il ferme la porte, il dit, bon. Parce qu'il était allé dans un pays où il y avait la guerre. Il le récupère, il le met dans la voiture, et puis maintenant, il dit, il veut donner l'argent à la personne, il dit non. Mais la voiture, il s'en va. Il traverse, il va maintenant à une autre frontière. Et il a un problème. Et la même personne revient pour dire, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Et c'est après qu'il réalise que mais c'est la même personne. Quand il venait, il veut sortir l'argent. La personne dit, la personne se retourne, la personne disparaît. Et puis Dieu lui dit, c'était un ange. Amen. Voyez-vous, c'est un... Dites-moi, qu'est-ce que ton argent peut faire en ce moment-là? Rien du tout. Voyez? Et c'est pour ça que vous voyez les gens qui ne comprennent pas l'assistance surnaturelle. Quand vous dites, non, Dieu m'a protégé surnaturellement. Oui, mais ça veut dire quoi? D'autres personnes aussi ont été protégées? Non. Non. Il y a des gens... La bombe là-même qui tombe peut tomber sur ta tête. Même si elle explose, elle tombe sur ta tête et puis tu meurs. Elle tombe sur ta tête. Et pourquoi elle tombe à 2 mètres? Non seulement elle n'a pas explosé. Bon, il y a d'autres personnes qui n'ont pas explosé. Ce n'est pas grave, mais elle pouvait tomber sur ta tête. Il y a des gens qui sont tombés sur la tête, ils sont morts. Et toi, ça tombe à 2 mètres. Au lieu de rendre grâce à Dieu, vous voyez les incrédules. Oui, mais ça veut dire non. Bien-aimé, attention. Attention. Vous savez, vous faites très attention. Vous voyez les gens qui ne comprennent pas la dynamique du surnaturel. D'accord? Ils sont toujours là. Bon, maintenant, ok? Je vous parle des choses profondes. Maintenant, puisque j'ai parlé de création de richesse, comment est-ce qu'on fait pour voir la richesse des païens venir entre nous? Est-ce qu'on parle en langue? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, si vous priez, l'argent ne vient pas quand vous priez. Non, ce n'est pas quand vous priez que l'argent vient. L'argent ne vient pas quand vous jeûnez. Pas du tout. Un homme marchait avec Élisée, il est mort pauvre. Les enfants étaient endettés. La femme était endettée. On a failli aller l'arrêter. Pour l'amener en esclavage. Dieu n'a pas intervenu. Il a laissé. Il a fallu que la femme comprenne qu'il y a des lois que le mari a violées. Tant que les lois ne sont pas respectées, ses enfants allaient aller en esclavage. Dieu n'a pas eu pitié du fait que le gars servait. Parce qu'il y a des lois que Dieu lui-même a choisi de ne pas violer. Il veut venir chez toi, les lois ferment la porte en disant tu n'entres pas chez lui. Il dit je respecte. Les lois empêchent Dieu de te rendre visite. Il dit je respecte. Parce que la personne n'a pas obéi aux lois. Maintenant, la femme a couru. Elle est allée voir le prophète pour dire, voici, mes enfants sont en train d'aller en esclavage. Le prophète n'a pas dit, maintenant, je veux au baba. Il dit, non, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que vous avez à la maison? Vous voyez, la femme a identifié ce qu'elle avait. Et à partir de là, la richesse est venue. Donc, la richesse se crée. Le pain que tu as aujourd'hui est assez suffisant pour déclencher l'abondance demain. Donne-moi ton meilleur amen. J'ai dit bien, Dieu prend l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Ta royauté sera incontestable. Elle sera visible au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai des témoignages comme je les ai. La clé, c'est ce que je vous donne. J'ai des témoignages rares. Des témoignages rares par la puissance de Dieu. Rares. C'est cette chose que je vous enseigne. Des puissances rares, des témoignages rares à cause de la présence de Dieu. Voyez-vous? Comment est-ce que je réussis donc à activer, à entrer dans les trésors de Dieu? Comment je fais pour que la richesse arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je fais pour prendre la richesse qui appartient aux païens et les faire venir chez moi? C'est vrai, j'ai donné l'offrande. C'est vrai, j'ai donné la dîme. J'ai même fait des sacrifices. Mais est-ce que c'est suffisant? Si je prends toute ma maison, je viens, je dis à l'église, j'ai donné. Est-ce que c'est suffisant? Non. Tu peux donner toute ta maison, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, Dieu fera quelque chose. Il va te communiquer une idée. Quelqu'un dise idée. Quelqu'un dise idée. C'est vrai qu'il y a la faveur financière. Certains d'entre vous ne mourront pas que vous aurez vu cela. Je vous dis sérieusement, vous aurez vu cela. Amen. Vous aurez vu cela arriver. La faveur financière. Un chèque important qui t'est donné cadeau. Juste cadeau. Un chèque important qu'on te donne. Juste un cadeau. Vous allez goûter ça. Ça fait partie des choses que tu dois avoir. Ça fait partie des promesses de Dieu. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Il a dit, il est aussi écrit, lorsque tu posséderas des maisons que tu n'as pas construites. Donc il y a des gens qui vont bâtir, mais il y a d'autres personnes à qui on va offrir. Reçois cette maison en cadeau au nom suprême de Jésus. Reçois cette voiture. Reçois cette terre. Reçois ces bijoux.
Reçois ces costumes, reçois au nom suprême de Jésus, reçois. J'appelle dans ta vie cette faveur. Reçois-la au nom suprême de Jésus. C'est ton droit d'alliance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ton droit légal d'alliance. Il y a des choses que tu dois obtenir sans effort. D'autres, tu vas les obtenir en faisant des efforts. Tu les auras. On te donnera une maison, on te donnera une voiture. Mais après, le cycle va s'inverser. Et Dieu va t'utiliser pour commencer à donner. Amen. Donc, comment est-ce que je fais pour maintenant aller à la dimension de la création, de richesse? Et là, nous parlons de l'idée. Quelqu'un dit idée. Quelqu'un dit idée. Donc, c'est très, très important. Alors, maintenant, je voulais traiter la question de l'idée. Amen de l'idée. Parce que hier, je vous ai demandé, écrivez sur un papier. Mais je veux parler avec vous de l'idée. C'est très important, l'idée. Amen. Vous savez, les hommes les plus riches ont tous eu d'abord une idée lumineuse. Quelqu'un dit idée lumineuse. Chaque fois que Dieu veut te rendre riche, elle commence sous la forme d'une semence. Et souvent, la richesse à ses débuts est méprisable. Vous voyez, le bras qui vient à ton secours, comme nous l'avons vu, peut ressembler à rien du tout, mais alors que c'est ce qui vient t'apporter la délivrance. Donc, il y a des idées que Dieu te donnera. Ces idées vont te mettre au large, mais il faut que toi-même, tu apprennes à respecter l'idée. Est-ce que ça va? Vous voyez, comment est-ce qu'on fait donc pour avoir l'idée? Qu'est-ce que c'est d'abord une idée? L'idée, c'est l'aperçu. Une vision sommaire, une notion qu'on a de quelque chose, l'aperçu, un aperçu, une notion sommaire, elle est sommaire. Ou alors l'élaboration originale de la pensée, permettant en particulier de répondre à une situation, d'être à l'origine d'une action. L'élaboration de la pensée qui te permet, qui est à l'origine d'une action, c'est ce qu'on appelle une idée. Donc, on a l'idée pour agir. L'idée est là pour que nous puissions agir. D'accord? À partir d'elle. Donc, c'est à partir des idées que nous arrivons à résoudre des problèmes. Mais comment est-ce que j'obtiens l'idée? J'obtiens l'idée parce que je pose une demande à mon âme. Je médite, je pose une demande. À partir de mon âme, je peux mettre une pression sur le ciel pour obtenir une idée. L'idée naît de la réflexion. La réflexion. C'est pour ça que les égaux, tout le temps, on prie, on crie trop. Les gens n'ont pas d'idée. Parce que tu ne peux pas en même temps réfléchir et parler. Donc, la méditation, c'est être calme. Tu t'assois et puis maintenant, tu mets une demande. Tu réfléchis. Tu captes des idées. Il faut apprendre à réfléchir. Le problème de beaucoup de nous dans nos églises, on ne réfléchit pas. Les croyants ne réfléchissent pas. Vous allez vous rendre compte, vous prenez, on demande aux gens, faites des t-shirts. Regardez, ce sont des t-shirts. Ça, c'est fait par des enfants de Dieu. Vous donnez ça à un païen, ce sera différent. Parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Les gens ne réalisent pas que les autres... Regardez par exemple, vous avez ici une communauté de personnes riches. On vous dit, faites des t-shirts. La qualité du tissu, la manière de faire. La personne doit comprendre que tu as une lucarne d'exposition. Qui amèneront les personnes qui regardent ton t-shirt à se dire, qui a fait ce t-shirt? Il faut que j'aille voir la personne. Donc ce n'est pas partout où on gagne. Je dois apprendre, c'est de la publicité surnaturelle. Regardez sur internet, dans plusieurs pays. Donc si vous me cousez une chemise, et même le coton a du mal à être droit, sans problème. Et ça, les enfants de Dieu opèrent avec une extrême médiocrité à cause de l'esprit de pauvreté. Les choses qui sont faites par nous sont toujours médiocres. Je maudis cet esprit au nom suprême de Jésus. Totalement. Tu fais XL, ça ressemble à M. C'est, vous savez, je dis, mais les enfants de Dieu, nous, on va grandir quand? Il est important que nous, vous savez, faire des... avec le, vous voyez, le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas.
faut réfléchir. On n'a pas eu le temps de toucher ça. Mais il faut réfléchir. Donc, l'idée, quelqu'un dit l'idée. Maintenant, l'idée, on l'a pour la déployer. Maintenant, quand on déploie l'idée, il faut tout faire pour la déployer dans les normes qualitatives, c'est-à-dire avec excellence. On peut avoir la même idée, mais avoir une productivité différente. Ce qui différencie, c'est l'excellence qui caractérise le déploiement de mon idée. Excellemment. N'empêche que ces chemises sont belles. Hein? Que Dieu bénisse la vie de celui qui l'a conçue. D'accord? Donc, vous voyez, c'est important. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se déployer de façon... Donc, il y a d'abord l'idée. D'accord? Que ce soit Bill Gates, que ce soit Ortega. Tous ces gars, tous ces gars, c'est une idée. Le créateur de Facebook, c'est une idée. Juste une idée. Une idée. Et on n'imagine pas jusqu'où il est devenu extrêmement riche. Maintenant, quand on parle de l'idée, il y en a trois types. Parce que certains d'entre vous diront, bon, moi, je n'arrive pas à avoir des idées, mais je veux trouver trois types d'idées qui vont te rendre riche. Maintenant, je ne dis pas qui peuvent, mais qui vont. Ceux qui ont dit amen, c'est votre portion. Vous voyez, alors, regardez l'église. Regardez comment l'église réagit. J'ai dit ceux qui ont dit. Pas ceux qui vont dire. Ça veut dire que eux qui ont dit amen. Maintenant, tout le monde crie amen après. Que la miséricorde te soit accordée, ce soit aussi ton partage. Amen. Alléluia. Trois types d'idées. Ça va? Le premier type d'idées, c'est les idées créatrices. Elles expriment des choses auxquelles personne n'a pensé auparavant. Les idées créatrices. Mais vous savez, nous, les enfants de Dieu, oh, c'est à nous qu'appartient ce type d'idées. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Donc si nous aimons Dieu, Dieu nous rend visite et nous donne des idées. Reçois ces idées au nom suprême de Jésus. Des idées créatrices qui nous donnent de mettre sur place des choses qui n'existent pas encore. Est-ce que vous savez que tout ce qui doit exister n'existe pas encore? Quand il n'y avait pas Facebook, on ne savait pas que ça pouvait être utile. Quand il n'y avait pas de portable, on n'imaginait pas que le portable pouvait être utile. Mais il a fallu quelqu'un qui ait eu une idée. Juste une idée. Créatrice. D'accord? Et puis, la richesse est arrivée. Une idée. Mettez une demande. Vous savez, vous devez être à même de prier et de demander, Seigneur, donne-moi des idées. Donne-moi des idées. Vous devez le demander. Si celui qui demande reçoit. Donne-moi des idées. Vous devez comprendre comment la richesse arrive. Donne-moi une idée qui me rendra riche. Donne-moi une idée. Demandez à Dieu. La Bible dit, si nous manquons de sagesse, nous allons le demander à Dieu qui nous donnera. Je crois que c'est Jacques 1, verset 9. On doit demander. Demander. Est-ce que quelqu'un comprend? Baisse la tête une minute et puis demande. On n'a pas dit longtemps. Demande maintenant des idées. Demande une idée. Demande à Dieu une idée. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu. Il donne à tous, dans toutes les personnes qui sont ici, recevez simplement cette idée. Que le Seigneur vous communique en ce moment au nom suprême de Jésus. Il donne à tous, que cette sagesse engendre des idées dans ta vie au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, ceux qui sont connectés sur Internet, reçois cette idée rare que le Seigneur te communique pour la richesse au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a des idées créatrices. Deuxième type d'idées, des idées innovantes. Les idées innovantes améliorent l'existant. Elles proviennent de ce qui existe déjà. Idées innovantes. Idées innovantes. Elles améliorent l'existant. Par exemple, les portables existent déjà. Tu n'as plus besoin d'inventer un portable. Mais tu peux innover dans le portable et te faire beaucoup d'argent. Des idées innovantes. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec iPhone 6. Parce que pour eux, tout le monde a ça sur la terre. Ou même 7. Tout le monde a. Donc eux, ils sont d'une autre niche. Ils veulent avoir un autre type de portable.
Alors eux, ils veulent des portables différents. Tu peux aller chez Apple et tu dis, bon, Apple, je vais signer une exclusivité avec toi, mais on fera des iPhone, mais avec plaqué, avec de l'or. Et ça, je vendrai simplement aux émis. Et le portable pourra coûter 50 millions. Il y a des gens qui veulent acheter des portables de 50 millions, pas de 5 000. Parce que c'est leur niveau. Il y a des paliers de richesse où les gens réfléchissent autrement. Ils se disent, comment je vais dépenser avant de mourir. C'est plus le même niveau. Est-ce que vous comprenez? Il y a un palier où on dit, comment je fais pour avoir. Il y a des paliers où les gens sont de d'autres niveaux. Ils disent, vous êtes choqués. Quelqu'un dort dans une chambre, il se lève le matin, il a payé 15 millions. C'est une chambre, la nuit. Et il dort dessus pendant dedans un mois. D'autres louent sur un hôtel une chambre à 10 millions jour sur l'année. Et il y arrive peut-être deux fois l'an, mais il paye sur l'année. Parce qu'il dit, je ne veux que personne d'autre dorme dans cette chambre. Ce n'est pas le même niveau de blé. C'est différent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas le même niveau. Est-ce que oui, sérieusement, moi j'ai vu, ce n'est pas le même niveau. Pas le même niveau d'argent. Il laisse ses habits dedans. Moi, je suis allé un jour chez un chausseur. Donc déjà, je m'arrive et puis, il y a un gars qui vient, que je connais. Donc le père est extrêmement riche. Il arrive, on se salue. Ah, il pose des questions, comment va ta cousine, etc. Et puis, quand il paye une chaussure, il dit, ok, donne-moi ça, on peut en mettre trois. Donne-moi ça, on prend quatre. Après, je demande, pourquoi toi, il dit non. Ça m'embête de voyager avec des sacs. Donc, quand je paye, il livre un au Canada, un à Paris, et puis l'autre, on livre au Cameroun. Donc, il paye la même chaussure en trois. Donc, il sait que quand il voyage, on a les mêmes habits sont en trois. Ce n'est pas un. Donc, le jour où il voyage, il prend que son trolley, il s'en va. Ses habits l'attendent déjà dans ses... Partout, il sait, les habits sont en train de l'attendre. Est-ce qu'il vient, il s'habille et il continue, il s'en va? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas le même niveau de blé. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est bien de rencontrer les gens comme ça, ça te rend humble. Ça te rend humble. Je suis sorti de la boutique ce jour-là, moi-même, j'ai dit, waouh! Il y a palier, palier. Que Dieu te donne des paliers élevés de richesses. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Il y a palier, palier, bien-aimé. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est des niveaux, c'est des paliers différents. Voyez-vous? C'est des paliers différents. Donc, dans la vie, il faut avoir l'humilité. L'humilité d'observer et de voir. J'ai vu d'autres personnes, la même bouteille d'eau que nous buvons, la même bouteille, ils ne buvront jamais cette eau dans les verres, dans les bouteilles en plastique. Donc, on fabrique des bouteilles spéciales avec de l'eau minérale où la bouteille d'eau est vendue peut-être à 150 euros. C'est-à-dire, tu prends 100 000 pour une bouteille d'eau. C'est ce qu'ils boivent. Mais vous savez, à un certain niveau, on a ce qu'on appelle la vanité de la vie. Je ne vous demande pas de faire la même chose. Je maudis ça. Tu ne dois pas boire, tu dois boire. Amen, voilà. Donc le surplus, là, tu dois mettre dans le panier de l'église. On doit faire des choses. Voilà. Pas de vanité. Mais juste pour vous montrer qu'il y a des gens, Dieu peut te donner la sagesse pour prendre l'argent des riches. Ils cherchent comment dépenser. Donc, trouve des idées pour prendre de l'argent. Comment tu fais pour prendre l'argent des païens? C'est avec des idées. Ils aiment la vanité. Donc, c'est elle la vanité. Je ne sais pas comment, pour pouvoir prendre l'argent des païens, il faut penser comme le païen. Voir comment est-ce qu'ils pensent. Alors, commence à réfléchir sur comment est-ce que les païens pensent. Et trouver maintenant des stratégies pour prendre leur argent. Tu ne prendras pas leur argent en organisant des campagnes d'évangélisation. Jamais de la vie. Jamais. Ce n'est pas des campagnes d'évangélisation. Donc, on est tellement religieux que vous voyez des croyants, quand ils font des activités, ils le font. Ah oui, comment tu vas faire ta boutique de prêt-à-porter. Après, maintenant, on entend les chants, les gens. Alléluia, on est toujours en train de chanter. À un certain moment, tu vois que ta boutique c'est vide. Les gens, les clients ne viennent plus. Parce que, en fait, les gens disent que tu es un sorcier. Comment est-ce que tout le temps on est en train de chanter? Comment tu veux que les musulmans se sentent dans ta boutique? On tourne ici, il y a une Bible. Oh, Jésus sauve, il revient demain. Attends. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu? Vous voyez, tu es foudroyé par le sang de Jésus. Et vous mettez ça dans votre boutique. Que le sang de Jésus te foudroie. Sorcier, tu es vaincu. Alors qu'il est toi et ton client. Ce n'est pas le lieu de le vaincre. C'est le lieu de récupérer son blé. C'est pas, il n'y a pas. Amen. Tu vas le vaincre ailleurs. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voyez-vous? Et c'est pourquoi, quand vous employez des croyants, ceux qui ne comprennent pas comment tu as déployé ton idée, ils viennent dans ton entreprise pour commencer à lire la Bible. Donner une demande d'explication à tout employé qui lit la Bible aux heures de service. Ce n'est pas fait pour lire la Bible. Il y a un temps pour chaque chose. Le jour où tu es au travail et que tu travailles, tu lis la Bible, tu vas voir que ta révélation de la Bible n'est pas bonne.
Dieu même n'est pas avec toi. Sauf si vraiment c'est une heure vacante où tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas laisser le travail, tu commences à lire la Bible. C'est ton péché. C'est un péché. Parce qu'on te paye pour travailler, tu ne peux pas lire la Bible. Et vous voyez, quand vous prenez des croyants, ils sont là, tu viens au bureau. Oh, je t'ai demandé, oh, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi. Il t'a saisi. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il repart son patron. Le Saint-Esprit m'a saisi. Maintenant, quand le patron commence à dire, être sévère, on dit non, non, il est en esprit méchant. Il est du diable. Non, c'est toi qui as un problème. On t'a payé pour travailler. Donc, dans le déploiement de vos idées, choisissez des personnes, soyez strictes et fermes. Ne choisissez pas n'importe qui. Ne prenez pas vos tantes, vos oncles pour vous mettre dans vos affaires. Mettez les gens compétents. Mettez les gens compétents. Pas d'amitié, pas de copinage, mais la performance. J'ai dit l'autre jour que l'identité n'est pas une compétence. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est compétent. La majorité d'enfants de Dieu ne sont pas compétents. Ils chantent, ils prient, ils dansent, et c'est ce qu'ils savent faire, rien d'autre. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est ce que je vous dis là, c'est vrai en fait. Il faut être compétent. Est-ce qu'on t'a dit que lire la Bible t'empêche de pouvoir étudier? Moi-même qui suis ton pasteur, pour enseigner certains messages, je vais me renseigner, je vais à l'hôpital, je vais poser des questions aux médecins, je pose la question aux juristes, j'étudie. Tu ne peux pas être compétent sans apprendre. La Bible n'est pas suffisante. Il faut t'instruire. C'est important. Voyez-vous? Donc, il y a des idées innovantes. Elles viennent innover la vie, rendre la vie facile. Réfléchissez, Dieu va vous en donner. Il y a tellement de possibilités de gagner de l'argent. Tellement, vous devez. N'entrez pas dans les créneaux où tout le monde entre. Un secret, si on vous dit que l'argent est accessible à tous, n'allez pas, ce n'est pas vrai. Partout, on va vous promettre que tu mets l'argent, tu vas obtenir 1 milliard après 3 mois, et après c'est ça ne marche jamais. Vous savez pourquoi? Parce que dans le principe divin de la richesse est enfuie. Amen. Jamais sur la rue. Amen. Elle est toujours enfuie. C'est au ciel qu'on trouvera, c'est au bord de la rue. Et sur terre, la richesse est cachée. L'or est en bas. Le pétrole est en bas. Le diamant est en bas. Tout est en bas. Même le cacao, avant de monter, il descend d'abord. La richesse est toujours en bas. Maintenant, quelqu'un va te dire, tu vas trouver ça au bord de la route. Ce n'est pas possible. Je vous demande encore, pourquoi ce n'est pas possible? Je crée quelque chose pour rendre tout le monde riche. Qu'en est-il de celui à qui Dieu résiste? Il va venir donner l'argent pour dire tu vas le rendre riche. J'ai dit, ah bon, moi je suis en train de bloquer le gars et toi tu dis tu vas le rendre riche. Cette affaire tombe. Parce que tout le monde ne doit pas avoir accès à la richesse. Tu ne peux pas violer les principes de Dieu et croire que le ciel te donnera la richesse. Dieu contrôle encore l'argent. C'est à lui. Voilà la raison. D'accord? La richesse est enfuie, la richesse est cachée. La richesse n'est pas à la place publique. Maintenant, si tu trouves des gens qui disent, oui, bon, tu as mis 1 000, tu vas avoir 4 000. Demain, ça a commencé depuis combien de temps? 1 mois, mais le premier. Si tu es sage. Parce qu'au 6e mois, quand tu auras récupéré beaucoup, quand ça va tomber, tu auras pris. Là, tu auras pris l'argent des autres. Ne pas dire, je vends ma maison maintenant et puis après je mets non. Là, on prend ton argent. C'est ça l'intelligence. D'accord? C'est ça. Vous voyez, donc quand on n'a pas d'intelligence et de sagesse, justement, on ne perd pas comme Dieu veut. Il faut être sage. Idées innovantes. Priez pour avoir des idées innovantes. Vous allez vous rendre compte que quand il y a eu des placements d'argent, quels sont ceux qui ont perdu beaucoup d'argent? Les chrétiens. Chaque fois qu'il y a business de blé, les croyants sont les premiers, boum, dedans. Si on fait une affaire maintenant pour dire, oh, tout le monde va dire, c'est les premiers, c'est les frères en Christ qui sont dedans. Et vous les voyez, ils ont l'argent. En fait, ils disent, bon, maintenant, on veut faire truc, non, rien du tout. Ils vont aller déposer. En fait, souvent, c'est le dévoreur qui vient récolter. Tout ce que vous n'avez pas apporté à l'église, il dit, bon, maintenant, je vais venir chercher, puis on s'en va. Alors, quand quelqu'un m'a envoyé un SMS hier, un pasteur fait l'appel de fonds, il a besoin de 30 millions. Et puis, personne ne donne. Alors, des braqueurs entrent à l'église, lèvent les mains. Et puis, ils récupèrent 80 millions. Ils avaient entendu l'appel. Ils récupèrent les 80 millions. Ils prennent tout l'argent déjà, ça fait 80 millions. Ils disent, pasteur, nous, on te donne 40 millions pour le franc que tu as demandé. Et nous, on part avec les 40. Alors, la question, c'est, est-ce que Dieu bénira les braqueurs? Parce qu'il y avait un besoin. Amen.
Est-ce que Dieu bénira les braqueurs? Est-ce que vous comprenez? Non, mais sérieusement, réfléchissons. Est-ce que Dieu bénira les braqueurs? Il y avait 80 millions dans l'église. On n'a pas pu trouver 30 millions. Les braqueurs, en y récupèrent 80, ils disent, pasteur, nous, on a entendu, tu veux 30, voilà, tu es 40. Nous, fais le projet avec nous, on s'en va, il est 40. Quelle est l'attitude du pasteur? Il rend grâce à Dieu ou bien il... Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que sa main soit sur vos vies. Amen, amen. Amen. Notez la troisième et dernière idée. Notez la troisième et dernière idée. Amen. Pour qu'on soit complet. On a parlé des idées créatrices. On a parlé des idées innovantes. OK? Et il y a les idées opportunes. L'idée opportune, c'est celle qui vient en notre contact par quelqu'un d'autre. Je peux être assis quelque part en train de manger au restaurant et j'entends des voisins qui parlent de quelque chose. Après, quand ils commencent à parler, Dieu me dit, saisis cette idée qu'il vient de dire et opère avec. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vos idées, consignez-les et ne les partagez pas avec tout le monde. Parce que si vous les partagez avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte que demain, il a commencé à opérer avec. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Les gens volent vos idées, ils s'enrichissent. Les idées sont faites pour être protégées. Ne les donnez pas à tout le monde. Gardez-les, protégez-les, vos idées. Parce que ça peut devenir pour quelqu'un d'autre une idée opportune. Que Dieu vous garde et vous bénisse richement. Amen. Mais en fait, honnêtement, je sens une grâce particulière de Dieu ce matin sur ma vie. Je me suis levé pour prier le matin et j'ai senti cette huile couler. Je vais prier pour certains d'entre vous, enfin pour tout le monde. Mais comme je dis encore, chaque fois que je parle à la création des richesses, je donne toujours l'opportunité à quelqu'un à qui Dieu a parlé. Pas à tous à qui Dieu a parlé. Si ce matin, tu es là et puis, pendant que je parlais, Dieu te convainc. Il te met à cœur de faire une sémence, de faire un sacrifice. Si Dieu te le met à cœur, ok? Si Dieu te met à cœur, je n'ai pas dit de le faire. Si Dieu te met à cœur, et je recommanderai donc que tu le fasses. Tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Et puis avoir quelqu'un qui est là. Et puis Dieu a parlé. Pendant que j'étais en train d'enseigner, quand je parlais de Salomon, j'ai senti au fond de moi que Dieu parlait à certaines personnes. Tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Dieu te demande à le faire. D'accord, maintenant je n'ai pas dit de le faire dans un truc. Dieu te demande de le faire. Ok, un sacrifice. Tiens-toi debout. Ça va ouvrir les portes du ciel pour toi. Amen. Je confirme à quelqu'un qu'il y a quelqu'un à qui Dieu parlait d'un million, c'est une confirmation divine. Il y a quelqu'un à qui Dieu parlait de 500 000, c'est une confirmation divine. Je suis jamais entendu. Ces derniers temps, je vois tellement la main de Dieu intervenir quand j'ouvre la bouche sur les finances. Tellement. Je l'ai vu incroyablement au Canada la dernière fois. Amen. Dieu intervient. Si Dieu te met à cœur, tu le fais librement. Alors maintenant, laisse-moi prier. Ok, venez ici devant. Venez ici devant. Venez. Venez. Encore, comme j'ai dit, suivez-moi très bien. Ceux qui viennent devant, ça ne veut pas dire qu'on prie parce qu'ils ont payé la prière. Non, 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 non. Je veux juste les aider à traiter leur alliance avec Dieu. Bon, les bacata, prenons nos mains vers eux. Père, au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, je prie pour ceux-ci et ceux qui me regardent en ce moment. Ceux à qui Dieu a parlé de façon claire et précise. Au nom suprême de Jésus, j'appelle éternel la manifestation de ta grâce surnaturelle sur leur vie par ta puissance merveilleuse. Que les trésors du ciel soient ouverts au nom puissant de Jésus et que chacune de ces personnes entre en possession de ce que le ciel lui réserve. Père, qu'il en soit ainsi afin que ton nom soit glorifié. Merci. Car cette grâce, tu me l'as accordée. Tu m'as mandaté d'apporter à cette génération éternelle cet enseignement et permettre à ton peuple de jouir de la richesse, que la richesse soit dans son partage. Au nom suprême de Jésus, que cette grâce t'accompagne et que la main de Dieu se déploie sur ta vie de façon claire et irrévocable au nom suprême de Jésus. Que les choses que tu attends du ciel te soient accordées de façon extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, que la sagesse et l'intelligence te soient données, que l'onction de la prospérité te soit communiquée. Au nom puissant de Jésus, et que le déploiement de tes richesses te soit donné. Que Dieu te donne de passer à un autre palier, à une autre dimension. Au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen et amen. Vous pouvez déposer vos offrandes. Amen, vos sacrifices. Alléluia. Rondo sakara boriyondoro bokori babari yasou.